Secteur démocratique et populaire, la SDP, frappé fort aujourd'hui. Yo attaqué Joseph Lambert, yo attaqué tous 10 sénateurs qui étaient dans le Sénat République, là. Et mandé gouvernement Ariel Henry, à travers le Conseil des ministres, pour prendre une résolution, ou bien pour prononcer, sous fin mandat, 10 sénateurs chrétiens, et au fait qu'on est Joseph Lambert, pas capable dans figure moun comme sénateur, parce que mandat fini. Hey! Gros cause, papa. André Michel, secteur démocratique, l'en fait qu'on est, eh ben, sénateur, y'a pas gagné, y'a qu'à dire, comme sénateur, parce que mandat est fini, depuis deuxième lundi, janvier 2022, c'est ça, au fait qu'on est. Eh! André Michel, secteur démocratique, l'en, y'a pas un pilote cause, encore d'un coup, Michel Martelly, au fait qu'on est, qui pas qu'à candidat, même pour Kazek dans le pays, hein. Même pour Kazek, Michel Martelly, pas qu'à candidat, à cause, ben, li pas gain de charge. Commission Pachay, entendez, met André Michel. Pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, comme groupe monde, qui c'est diaspora, nous, hein. C'est eux-mêmes qui voient l'argent pour payer taille. C'est eux qui achètent souliers pour nous. Ils payent les portes. C'est eux qui font tout bagaille pour nous. Et puis nous pas d'accord pour nous intégrer dans la gestion politique. Et ça fait nous des batailles, nous dit, il faut que diaspora participe dans monter le conseil électoral. Là. Et c'est représentant diaspora qui pourra défendre dans le conseil électoral là, intérêt diaspora qui besoin d'intégrer la gestion politique du pays d'Haïti. C'est bataille SDP. Je tiens à nous qu'on bataille maintenant avec le gouvernement Ariel Henry. Avec Ariel Henry également. Son bataille. Dans le sens intérêt, peuple haïtien. Bon décision qui dépend sous Jovenel Moïse, avec M. Baden Duroy qui l'a toujours. Le fonds circulaire, et ont décidé, depuis ce transfert, vous voyez en Haïti, vous voyez en dollars américains, vous voyez le peuple comme là en goutte. Vous voyez en goutte, vous même si vous avez besoin de dollars, s'acheter pour y aller acheter. Ça, c'est un crime. Le secteur démocratique l'a dit, moment arrivé pour rentrer décision ça. Rentrer circulaire BRH qui autorise banque yo, maison de transfert yo, bay peuple la cobla en good et puis yo kembe dollar. Remettre peuple haïtien en dollar, c'est le combat du SDP. Remettre moun yo dollar yo. Et c'est ça force SDP. Et nous dit Ariel Henry avec tout gouvernement là pour prendre responsabilité ça. Et nous demandons sénateur Ricard Pierre que SDP voye dans le gouvernement. Dans le conseil des ministres, il faut avoir courage pour poser le problème. Circulez ça. Qui empêche la population à joindre l'eau là où vous voyez les à l'étranger, c'est pour retirer circulez ça. Le sénateur Ricard Pierre, qui se représentant SDP, il a une responsabilité dans le conseil des ministres pour poser le problème, là, pour jouer une solution. Et c'est ça le SDP, intérêt général, intérêt collectif. Donc il y a un droit de Saint-Marc, un droit de Miraguad. Il n'y a pas qu'à faire conteneur. Si vous voyez une machine, il n'y a pas qu'à mettre un sac dur là-dedans. Décision ça a pénalisé la population. Décision ça a pas dans l'intérêt de la population. Il y a dans l'intérêt grand nègre. Et responsabilité de Ricard Pierre, comme représentant SDP dans le gouvernement, dans le conseil des ministres, c'est pour poser problème ça. Parce que SDP, c'est l'intérêt général. Le SDP, c'est l'intérêt collectif. C'est le peuple haïtien qui a défendu. C'est ça qu'il faut, ouais. Même si vous essayez de crasser, vous essayez de combattre nous, ça n'a pas qu'à passer. Parce que le peuple a compris que SDP, c'est le principal porte-parole de revendication. Je dis, 7 février 2022. SDP a une position claire par rapport à la dernière résolution 10 anciens sénateurs. 10 anciens sénateurs, c'est des acteurs politiques. Ça veut dire, dans le contexte de crise, on parle avec eux. SDP a été rencontré avec M. Lambert comme ancien sénateur. Dans le contexte de crise, on ne peut pas parler avec tout le monde. Mais 10 anciens sénateurs, le mandat est fini depuis 2e lundi janvier 2022. Le mandat est fini depuis 7 février 2021. Il n'y a pas de droit pour une résolution d'hypothèse chaque présidentielle. Bah, il n'y a pas de droit. C'est très important. Ils sont acteurs politiques. Même j'ai avec l'autre acteur. Et comme acteur politique, il faut qu'ils parlent avec eux. Mais ils ne sont plus sénateurs. C'est 10 anciens sénateurs. Aujourd'hui, Ricard Pierre, vous êtes le représentant
du secteur démocratique au gouvernement. Dans le dernier conseil des ministres qui était fait sous mandat 10 anciens sénateurs qui finit, le gouvernement à travers le conseil des ministres pas de responsabilité. Il faut que le gouvernement prononce et nous demande des sénateurs en fier pour le prochain conseil des ministres qui va le faire là pour relouvrir avec l'autre monde pour mettre la question en débat. C'est pour réintroduire la question ça dans le conseil des ministres. Question mandat 10 anciens sénateurs qui finit. Il faut que le conseil des ministres prononce sur la fin du mandat constitutionnel des 10 anciens sénateurs. Ça ne veut pas dire que ces sénateurs ne sont pas acteurs politiques. SDP est capable de toujours continuer à parler avec eux. Parce qu'on a parlé avec tout le monde. Mais il est clair que le mandat est fini. Et comme le mandat est fini, ils ne sont plus sénateurs, c'est 10 anciens sénateurs. Il faut que le conseil des ministres prenne responsabilité et nous demander qu'on le prend encore à sénateur Ricard Pierre pour le réintroduire question de mandat, messieurs, dans le conseil des ministres, pour que le conseil des ministres puisse se prononcer de manière claire, formelle, sur la fin du mandat de ces messieurs. À part le dit, vous ne pouvez pas parler avec eux. Ce sont des acteurs politiques, mais ils ne sont plus sénateurs. La question est claire. Secteur démocratique et populaire, c'est intérêt collectif la défense. Je dis à secteur démocratique et populaire, il embrasse le dossier ONA. Il y a plus de 100 milliards de gourdes. Il a volé dans ONA. Il a dilapidé dans ONA pendant les 10 dernières années. Comme ça, ces politiciens, businessmen, qui sont dans tout camp politique qui volent comme ça. Ouvriers, qui travaillent dans la factory, qui cotisent dans ONA, ils n'ont pas joué 50 millions de prêts. Policiers, ils ont payé ONA pour eux, ils n'ont pas joué de prêts dans ONA. Professeurs, ils n'ont pas joué de prêts dans ONA. Nous ne pouvons pas accepter ça à son prix. Vous ne pouvez pas prendre un prix pour nous. Les journalistes ont payé ONA pour nous. Ils ont pris un prix pour nous. Ils ont prêté politiciens, ils ont prêté businessmen, et puis ils n'ont pas prêté les gens qui cotisent dans ONA. Ça, c'est un crime. SDP ne peut pas accepter ça. Et c'est ça que fait railler SDP. SDP ne peut pas accepter lui. Sous son politicien, son businessman, ou besoin de l'argent prêté pour faire business, elle dans une banque, elle dans BNC, elle dans Soge Bank, elle dans FDI, elle prend pour 15-20%. Mais Kobonar, c'est policier qui peut bénéficier. Kobonar, c'est professeur l'école qui peut bénéficier. C'est ouvrier, ouvrière qui peut bénéficier. Kobonar, c'est paysan qui peut bénéficier. Et c'est ça SDP a dit. Pour ces businessmen, politiciens ont besoin de prêter. Elle n'a une banque, elle n'a une BNC. 15%, 20%, elle prend pour rien. Mais si Kobonar a quitté le peuple là. Et c'est ça qui fait nous 10 coups de compte. Pour mener une enquête sur le dossier ça. Nous pouvons plaider formellement pour les comptes, pour déterminer qui est le monde qui participe dans le code là, qui est soigné. Et quel que soit le monde, ça, vous mettez le code dans le code. Vous avez raillé SDP. Depuis le ça, vous font bande via Twitter, vous font bande via notes sur Facebook, vous déchaînez, vous besoin de manger SDP parce que SDP est dit, moment arrivé, pour politiciens dans le pays d'Haïti. Businessman dans le pays d'Haïti, suspend enrichi tête avec l'agent ONA. L'agent ONA, c'est pour professeurs, c'est pour policiers, c'est pour ouvriers, c'est pour personnel médical, médecins, infirmières, mon cap nettoyer malade dans l'hôpital, c'est pour paysans. Voilà la position du SDP. SDP, c'est intéressant. Aujourd'hui, nous retournons devant la Cour supérieure des comptes avec le dossier Petro-Caribe. Je voulais saluer un citoyen, nous le Johnson Golin. Le 30 janvier 2018, porter plainte dans le dossier Petro-Caribe. C'est le premier monde qui porte plainte et c'est lui-même qui ouvre le procès. La Cour des comptes fait des rapports. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a constaté que Kobonar, plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains, l'agent qui a construit l'école, construit l'hôpital, construit la route, l'agent qui était capable de permettre de changer les conditions de la vie du peuple. Là, je parle de Côte Petro-Caribe. Eh bien, Côte Petro-Caribe est au volet. Mais la Cour des comptes peut avoir arrêt de débat. Arrêt de débat pour dire ou même comptable de fait de droit pour des voleurs comme Petro-Caribe. Arrêt de débat qui pour dire ou même ordonnateur de fait ou des voleurs comme Petro-Caribe. Il
faut que coup de compte prenne responsabilité. Tout autant que coup de compte pas fait ça, la justice a toujours des difficultés pour prendre responsabilité. Et, on n'a pas les ordonnateurs du fait. Bon, lorsqu'on est un coup ancien président Michel Martelly, Martelly signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains dans l'argent musical. La loi est claire. Automatiquement, vous êtes président ou pas ordonnateur. Mon pas ordonnateur, c'est si vous pas exercez les attributions réservées par la loi à un ordonnateur de droit. Mais là où vous êtes Michel Martelly, vous signez une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains, vous venez un ordonnateur de fait. Et comme ordonnateur de fait, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui vous porte déjà. Je dis en Haïti, tout autant. La Cour des comptes, Baba et Martelly, décharge, il n'y a pas qu'un candidat même pour caser. Dossier pétro-calibré, il faut qu'on finisse. Son bataille qui a peine commencé. La Cour supérieure des comptes du contentieux administratif fait pour prononcer soirée de débat contre les ordonnateurs de fait, contre les comptables de fait de droit. Et on est pour Martelly qui signe une résolution pour plus passer 700 millions de dollars américains. Lui son ordonnateur de fait. Il faut qu'il y ait des charges là pour des fois. Et s'il n'y a pas de charges, il n'y a pas qu'un candidat en Haïti, même pour Gazé. Voilà, le SDP c'est ça. C'est l'intérêt général, l'intérêt collectif. Et comme l'a dit sénateur Kassi, on a continué la bataille pour appliquer encore 11 septembre 2021. Hein? Mais en même temps, on a continué à parler avec nos acteurs pour joindre un consensus plus large. Évidemment, question collège présidentielle. Zanmi yon en peine, avec Zanmi yon en Montana à Palais, nous parlons de deux autres. Donc ça, ça crée le collège présidentiel. Alors, si bien 5 gars sont présidents, bien 5 premières dames dans le pays, dans le temps de 5 cotes, 5 premières dames, on va faire l'obéissance. Nous parlons de l'obéissance. Par contre, nous parlons avec tout le monde pour nous jouer un consensus plus large dans l'intérêt du pays. Voilà. Voilà, déclaration Maître André Michel qui t'a parlé dans la conférence de presse. Secteur démocratique et populaire là, lui-même, l'état bail aujourd'hui, et Nenel Kassi, vous voyez, avec deux cavaliers, Paul Carré, Nenel Kassi fait gros déclaration tout. Et, monsieur fait connaître que, secteur démocratique, là, c'est lui qui porte parole population, papa. En tout cas, chaque monde, chaque politicien, là, a parlé, il y aura les populations, bon côté par eux. Et comme si Haïti, son côté, il y a plusieurs populations, chaque monde, il y a une population par eux, papa. Nenel Kassi fait qu'on est secteur démocratique, là, c'est le porte-parole population, hein, et il déclare que, il y a travail pour accord, accord 11 septembre aussi avec Ariel Henry, qui a appliqué dans toute intégralité, pour moun kwa de bouquet, moun cité soleil, tout moun nan pays, yo capable river joindre participation par yo, ça veut dire yo ka bénéficier de action gouvernement, lui-même, l'état doit poser dans intérêt yo. Entendez? Nenel Kassi. Faut qu'il y ait justice. Faut qu'il y ait transparence. Et faut qu'il y ait participation. SDP, il voulait prendre ça pour le porter pour le peuple haïtien. Et c'est dans ce sens-là qu'on a dit tout le monde qui est qui tombé dans la bataille. Là. Si tous les derniers 10 ans qui sont passés là, en bas régime PHTK, on a dit SDP avec. Tout le monde qui était en prison, et ça qui est en prison toujours, n'a pas dit SDP avec. N'a pas dit zone qui ravagée, journée jeudi, tant que la saline, Cité Soleil, Belle, Matissan, un peu partout, quoi des bouquets, secteur démocratique là, là avec nous, ça. C'est pour cause là, zone ça est victime. Moun massacre, n'a continué à exiger justice pour eux. SDP fait carré dans la bataille, bon côté. SDP, dans l'esprit pour accompagner nous. Dans l'esprit pour diriger le peuple haïtien. Dans l'esprit pour chercher bien-être pour nous, la prendre des initiatives. Et c'est peut-être ça nous dit, accord 11 septembre. Qui c'est unique document, je dis à côté de parler là, que pouvoir qui l'a chita sous lui. Mais son accord qui chita, nous devons dire sous revendication, peuple haïtien.
et son accord qui témoignait reconnaissance SDP par rapport avec toute victime, tout le monde qui tombe. Son accord, l'engadil, nous sommes sans peuple là. Nous sommes monde qui était dans la prison. Yo. Nous sommes monde qui était dans la marron. Yo. Ça qui est en exil. Nous sommes diaspora tout cas pour nous. Et à quoi ça, dans la bataille pour nous permettre la revendication du peuple là, il passe. Et c'est peut-être ça, la fois dernière nous dit, il y a des cas de violation en dedans encore. Et là, nous dit ça, c'est pour nous garantir que l'intérêt du peuple haïtien n'est pas perdu. C'est garantir l'intérêt du peuple haïtien que nous cherchons. Et c'est ça, à quoi ça a porté pour le peuple haïtien. Là, par exemple, nous avons dit à quoi il faut appliquer, nous avons cherché garantie pour les gens qui sont plus faibles. Pour nous bailler nous responsabilité ça qui se cherche bien-être pour nous. Et c'est à quoi ça allait appliquer totalement côté toute revendication de là-dedans. Et c'est là ça SDP a dormi en paix. Et c'est peut-être ça n'a dit n'a veillé en haut n'a veillé en bas pour application à quoi ça. Mais pendant n'a appliqué à quoi ça qui gagne là-dedans toute revendication que tout le monde épousé, qui te mette des millions de monde dans la rue, il y a un pile de monde qui tombe pour à cause ça. Mais nous avons ouvert les bras, nous l'autre monde. Nous avons ouvert les bras, nous l'autre acteur, pour nous dire que nous voulons parler avec eux, pour nous retirer le pays à nous saluer là. Parce que nous-mêmes, nous voulons s'arrêter en transition de rupture. Parce que jeudi à 7 février 2022, bon débat qui ferme. Blanc yo te décidé de faire une brèche Jovenel après 7 février 2021 que mandat te fini. Jodi a pas comme ça blanc yo va dire. C'est que jodi a nous en véritable transition de rupture là. Il faut faire pas ici bataille. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire jodi a faut nous plus vigilants. Jodi a faut tout secteur engagé. SDP saute montre. Il n'y a pas pour chercher un intérêt particulier. Et c'est peut-être ça que nous avons choisi signer à quoi avec Dr. Ariel Henry. Nous n'avons pas signé pour intérêt personnel, nous avons une poste premier ministre. Même des signes pour revendication appliquées pour satisfaire les revendications du peuple. Et si nous avons un aujourd'hui, nous satisfaction des revendications du peuple, c'est parce que l'autre acteur est derrière. Il faut qu'il vienne avec nous. Pour une bataille pour revendication au passé. Parce que revendication, ça c'est revendication. Tout. Vous parlez, chef opposition. Et nous, on a dit ça pour l'histoire. On a dit ça pour l'histoire. Et à noter. L'il est le temps pour l'autre acteur ressaisir. Pour accepter que le peuple haïtien fait SDP confiance. Il faut que vous tendez SDP. Et c'est dans le bagage ça tout. Mon n'a pas de tendre SDP. Nous te disons, mais comment pour avancer? Et c'est yok bail. Tout retard ça dans la crise. L'autre acteur n'a pas voulu tendre SDP. Alors que c'est nous, porte-parole, peuple haïtien pour les mots. Vous parlez! Vous parlez! C'est le Tito! C'est le Tito! Nous avons réitéré l'emploi. Nous prêts pour nous travailler avec tout le monde. Nous voulons travailler avec. Depuis ces intérêts, peuple haïtien, nous prêts pour le travail. Moment arrivé. Moment arrivé. L'arrivée pour définitivement dialogue haïtien en fait tout le monde. Nous disons nous prêts. Devant peuple haïtien, devant la presse, SDP dit nous prêts pour engager le dialogue. Ça. Maintenant, je dis, pendant ce temps, la politique n'a pas pris de temps. On agit vite. Il y a un ensemble de choses qui te prévoient dans l'accord. Il faut que vous mettez en place. Par exemple, organe de contrôle, assemblée constituante, question 4 de malogue, il faut que vous évaluez. Procès Petro-Caribé, procès Massacre, question audit, question
pour permettre que jeunes femmes à jeunes filles, jeunes femmes, jeunes garçons participent dans la gestion des choses publiques, l'État, le pays. Retrait tout vieux décret, c'est les rails. Pendant la poumée pour ça. Démarche pour monter CEPA. N'a pas dit, Premier ministre Ariel, continuez dans la consultation, parlez avec tout le monde. Nous voulons un CEP qui équilibré, qui peut inspirer confiance à tout le monde. Mais nous-mêmes, au niveau SDP, avant d'engager dans une véritable élection, il faut que ça nous soit dit au fait. Par exemple, il faut qu'il y ait sécurité. Par exemple, il faut que tout prisonnier politique nous lague. Moi-même, quand je parle là, je suis victime. Au niveau du département NIP, il y a plus de 20 prisonniers politiques. Il n'y a pas que j'aime la guerre. Ça veut dire pour nous engager dans l'élection, il faut que nous sachions la guerre. C'est important pour nous. Pour nous engager dans l'élection, il faut que nous libérions le secteur économique. Que nous groupe de monde qui prend en otage. Par exemple, DGI, la douane, et BMPAD, et BRH, ONA, ou AVCT. Nous pas qu'à quitter moun sa k tap mal géré à continuer gérer. Nous pas dit c'est SDP pour ba gérer. Mais faut que yo débarrasser yo pour permettre que gon gestion saine et pour dit la ka fait pour permettre que peuple haïtien ouais côté cob pour aller. Parce que nous pas d'accord moun sa prend cob l'état pour al goumer à peuple dans élection. Faut gagner bon Jean mesure qui prend pour permettre que les gens qui sont dans le quartier populaire vivent dans le monde. Améliorer les conditions de vie. Il faut que la guerre qui vient plus de 40 ans, cité solaire, est finie. Les gens veulent penser à développement, croissance, bien-être. Nous voulons ça fini. Il faut que la guerre belle est finie. Il faut que la guerre Matisse est finie. Il faut que la guerre finie, Maya. Quoi des bouquets. Il faut que vous finissiez. Et SDP. SDP, avec tout dirigeant, le cadre, les militants, après tout engagement pour participer, pour aider, bagay sa yo résoudre. Parce que nous voulons que nous dans le monde. Sous base ça, je finis pour nous. Que SDP, code l'ombre, est marré avec les Haïtiens. Et nous sommes ça là, SDP, pour ville. Et nous sommes prêts pour une bataille avec. Le peuple a pris une pause sous demande SDP. Mais pour SDP demander peuple à camper, est-ce que le peuple va camper? Moun en diaspora yo besoin vin nan peyi yo. Besoin vivre. Jeune garçon, jeune femme, besoin travail. On construit peyi. Et SDP parle nous. Et SDP avec peuple là et nan bataille. Voilà, déclaration Nenel Kassi, encore membre secteur démocratique et populaire qui parle aujourd'hui là fanatique Joe Canel. Journal 9, en tout cas, sénateur pas content même. Joseph Lambert pas content avec comportement, avec dernière sortie secteur démocratique l'en fait jodi à la fanatique Joe Canel. Journal 9, ou kon formule là déjà, si ou poko abonné à channel, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur petit cloche là pour toujours recevoir notification yo chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille neuf pour nous dans Cachabzel PayPal pour qu'encourager bel travail ça. N'ap kopé là avec vidéo aussi là.